Pesi basa ntumboja na kumbo na Yesu. Tikite kimia na kolo Yesu Kristo pe bolingo na ye. Eza la likolo ya moko na moko. Que le Seigneur aza la favorable pona moko na moko na biso. Nzamba za lokumu iyo ya pesi zota toyeba na koparle na oeza na tina ya bokonza likolo. Frère Paul azo sa Timote que l'occasion soit bonne ou pas, prêche la parole de Dieu. Donc nous sommes appelés à prêcher, quelles que soient les circonstances, nous devons enseigner à tout moment, prêcher la bonne nouvelle. Bible le dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. C'est pour dire que c'est le temps que la bonne nouvelle et terminant partout dans le monde de ceux qui croyaient. Et c'est un bon abisso, mission abisso, et ça a été tout à bonne nouvelle partout, dans le cas de Mokili. Voilà pourquoi, afin de partager la parole du Seigneur. Tout bon délit, Seigneur Jésus, te puis merci pour ce temps, béni ce temps. Parle-nous, éclaire-nous, oh et ôte dans la musique au nom de Jésus. Et nous allons nous éclairer, et nous allons nous éclairer. Amen. Ok, donc, comme presque na souka ya cette parole de Jésus-Christ à la croix, c'est aussi ce qui est presque toujours ramassé ba événement oyo ebaki na koleka après liwa ya Jésus na ekulusu ya toujours ramassé. Donc j'ai déjà moi quelques éléments, les autres ba c'est éléments moko na Jean chapitre 19 verset 34. Jean 19:34, la Bible dit, mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, tu vois, dans le verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli et baissa la tête et il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat, un grand jour, les juifs demandèrent à Pilate, corrompit les jambes crucifiées et qu'on la sévela et qu'on les enleva. Les soldats virent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance et aussitôt il sortit de l'eau, des sang et de l'eau. Colo Yesu a pambo l'écriture 35, c'est lui qui l'a vu a rendu témoignage, ce témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Colo Yesu a pambo l'écriture oyo tous à côté lisa. Écriture n'a pas quoi le lot, Yesu akufi, tomoni, soldat moko, azimopanga, a percé na kote, makila, na mai ebimi. Quel est ce service? Tu veux que l'écriture se termine, bambala ebele, termine pendant la bandenge ebele, mais bisopé n'a pas quoi le lot, n'angolu en zambé. To lingi ko simba yango ko aborder yango na aspect mususu par rapport ya lisu o le senera sali songolu ya komonela parce que to ibike na kacha makambo nzambe ezalaka la complémentarité que le seno benis ezalaka la complémentarité to moni mai na makila ezo bimata ngo bazo percer le seigneur to moni le sang et l'eau ebimi. Oui, c'est très utile parler du sang et de l'eau, c'est très utile. Mais n'a pas quoi le lobe, c'est aussi marrant qu'à maille. N'a pas quoi le lobe, c'est marrant qu'à maille. Prochainement, n'est aussi bas tous les deux éléments, l'eau et le sang. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde est le sang et l'eau est bimé. Tout le monde n'a pas quoi le lobe, c'est aussi marrant qu'à maille. Oui, bimaki. To isoler na tusimbira nuka mai alors prochainement to koyeba kotalisa aussi le sang oyo ebaki na kobima. Pourquoi mai ebaki na kobima pe pourquoi soldat oyo a persa ki Jésus?
to bandi ba démarche na biso to ke na mukanda ya proverbe proverbe chapitre na yango 30 to na verset 4 qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli les vents dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu? Bisso, toujours soit. Troisième question. Première question, ça, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Première question. Deuxième question, qui a recueilli les vents dans ses mains? On a deuxième question. Troisième question, qui a serré les eaux dans son vêtement? Troisième question, nous devons répondre. Pour ça, on a cinq questions. Hein? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? On a la quatrième question. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? On a cinquième question. Le sais-tu? Sixième. Nous devons la troisième question. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Awa, agira, tutuna, mutuna. Donc, il n'y a ni oyo asera mai nakata vetema nae nakata elamba nae. Eza mutuna agira zo tuna ndi tukeba na korepondre na yango. Kele sene solwe. Tozo lwe bake mutuna oyo eza na vide de sensite. Mutuna oyo eza na tina. Normalement na natirbo ye mutakoji jamais kokanga mai nakata elamba nae. Metang azo tuna kesho nani oya kanga mai na elamba. Ce qui te correspond d'abord, moto, c'est impossible. On t'a dit qu'on a mal, c'est impossible. Mais, na elobilia bonzambe, et bomba qui le connaisse. Bolimbis, na elobilia bonzambe, et bomba qui ine pense que le Seigneur bénisse. Donc, na bon moto boye, et ça, chose impossible. Donc, tout ça, on a moutou, tout na question, nani ou ya bomba maya, sera maya na kati elamba. C'est pour dire que tout ça, on a moutou moko, moutou an a la ti elamba. Mais, na kati elamba na e, akamati mayi, a bombi na kati, a ti mayi na kati elamba na e. Donc, ti moutou an a zo tambola, na kati elamba na e, a zana mayi. Que le Seigneur bénisse. Donc, ti moutou an a zo tambola, na kati elamba na e, na kati vêtement na e, a zana mayi. Ya on te le dit, naturellement, boeza impossible. Mais la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans la Mukanda, Job chapitre 10, verset 8. Job chapitre 10, verset 8. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas cueilli comme du fromage? Verset 11. Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. Verset 12. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta grâce. Par rapport à l'écriture, dans verset 11, tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs. A bazwa moussouni na po lokola vêtement. Mabi que tu m'as revêti de peau et de chair. C'est pour dire que et pas ya job moussouni ya moutou na posu ya moutou et zalaka tout un vêtement. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi ton tozon a correspondre na moutou na ya gir. Tango a gir azolo ba nani oyo asera mai na vêtement na ye. Donc tozon a moutou moko. Mutango alatisko elamba na kate elamba yango nde bayebi na kotia mai. Nous disons que cet homme là c'est Dieu lui-même. Tolo dit que cet homme là c'est Dieu lui-même. N'oubliez pas Jean 4 verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu comme esprit, c'est l'esprit éternel, c'est le Père, il n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Pour aya pembeni abatu, c'était une chose impossible. Mais pour aya pembeni abatu esengela ki alata elamba. Elamba oyo nzambe alata ki kombo na yango Jésus. Oui, parce que l'habit, selon Job, ototo kotanga c'est tout un vêtement. Yango tolobi ke elamba oyo nzambe alata ki po aya pembeni abatu c'était Jésus. Donc Jésus c'est le vêtement oyo nzambe alata ki tango linga ki ko rendre visite pa biso batakuta na biso. Yango ko remarquer mama ya Moïse Jokebede a kobota Moïse
mama ya Moïse Okebeda kobota Moïse tangu akobota Moïse akobomba Moïse panda 3 mois mais après 3 mois akosu kobomba Moïse te il faut asali la caisse ayeba kuchai na kati ya mai kele seno benise se pour dire que Moïse akobomba mansute Moïse akomi visible na kata caisse tozolo baboye Moïse oyo c'est un libérateur wa ki pour libérer peuple d'Israël. Nous savons que les libérateurs en vérité, ils ont la ka Moïse te. Les libérateurs d'Israël en vérité, ils ont la ka Nzambe yemoko. Que le Seigneur nous bénisse. Donc les libérateurs, toyebi ke ezalakana Nzambe yemoko. Yango tolobi ke Moïse azalaka libérateur. Wana obison surtout toyebi. Moïse azalaka libérateur. Mais en vérité, libérateur d'Israël, Esaïe Moko, 1 Samuel 14, 39, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant, vous voyez, lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourait, et dans tous les peuples, personne ne lui répondit, Awa, Bazotel, c'est l'Éternel comme le libérateur. 2 Samuel chapitre 22, verset 2, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Des rois 13 et 5. Et l'Éternel donna un nom. Nasuki na 1 Samuel 14, 39. Na 2 Samuel 22, verset 2. Na 2 versets aux autres sans comme le libérateur. Donc nous avons compris que Moïse, comme le libérateur, il était l'ombre. Le véritable libérateur, c'est Dieu lui-même. C'est l'Éternel. Dieu, c'est l'Esprit. Lui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Maintenant, nous avons Moïse, n'a pas le boumou ya Jokebed, maman nae, et autres sans Nzambe na éternité. Oui, Azala qui est éloigné des hommes parce que le ventre d'une mère nous parle aussi de l'éternité. Mais, Kobota Maya Moïse, il faut Moïse abomba pendant 3 mois. Tozolo baboué. Moïse n'a le boumouya, le libérateur n'a le boumouya, maman et Jokebed, c'est ça Dieu à l'éternité. Maintenant, nous avons Azo Bota Mababoumé pendant 3 mois et tel Sanzambé a quitté l'éternité. Ayaki na kati abat, mais attention, il était caché pendant 3 mois. Il était là, mais il était caché. 3 mois, c'est le temps de la loi, les prophètes et les psaumes, où Dieu était là, mais il était caché, il était esprit. Mais après 3 mois, c'est le temps de la 4 mois, il faut basale, maman et Jokebed, à salé la ekes, à zo Moïse tchè na kati. Nous avons c'est ça le corps que nous appelons Jésus, c'est ça le vêtement que nous appelons Jésus. Moïse Nakati, c'est le Christ, c'est Dieu. Il a dit que Dieu était en Jésus. Dieu était en Jésus. C'est réconcilier le monde avec lui-même. Donc c'est pour dire que le corps qu'on appelle Jésus, c'était tout un vêtement que Dieu avait porté pour venir nous visiter. Hein? Le corps qu'on appelle Jésus, c'est tout un vêtement. C'est ça même la caisse de Jacques. Oh, Moïse a contracté le libérateur à son côté pour venir nous libérer. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà pourquoi le nom de Jésus sera l'Éternel et Sauveur, Yahweh Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Mais maintenant, remarquez, oui, même dans la naissance, au moment où tant ange a eu sa Marie, a eu que c'est lui qui sauvera son peuple. Ok. Tout le monde dit que Moutou a joué la taille, il a mis en moko. Et là-bas, c'est le corps qu'on appelle Jésus. Mais la Bible dit que nanyo ya bomba mai na kati elamba. Toi, mema mai na kati elamba. Tu le dis que nabomoto bozé impossible, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous disons que cet homme-là, c'est Dieu lui-même, c'est le Christ, c'est l'Esprit éternel, c'est l'éternel Dieu, c'est le Père qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Et là-bas, wana, c'était le corps qu'on appelle Jésus. Ne atiaki mai na kati. Mayo eza na kati wana, c'est ça même le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. C'est ça même le Saint-Esprit. Ouais, ça l'est kati nae. Yango ko remarqué, azolo baboué na Jean chapitre 7. Moutou eza na soif, aye panangai, aya ko mela. Tant azolo babongo, il était conscient de ce qu'il disait. C'est pour dire qu'à son intérieur, le Saint-Esprit était là. Aya ko mela. Mais bah, okita, kotar, ça va dire qu'il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir parce que jusque-là, le Saint-Esprit n'était pas coordonné. C'est pour dire que quand Jésus marchait, il était le vêtement de Dieu au katinae maïtondaki.
C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça la plénitude de la divinité. Pendant qu'il marchait, il a donc c'est pour dire que mobimbe za la kia koka oka poton di makake yenda za la katoison ya Gédéon oyo na butu ali boso ezwa ka rosé nyonso na katina yango que le Seigneur nous bénisse. Donc rosé nyonso kita na katina yango mais mabele tikala ka oka oka ton di makake quand Jésus marchait sur la terre yende azalaki na mai nyonso na katina yango. Quel est le Seigneur bénisse. Mais toki na mukanda Jide tout à la eloko Jide aoye bisabiso. Toza na mukanda Jide yoka eloko Jide azoloba. Jide alobi boye Jide 1:12. Ce sont des écailles dans vos agapés. Faisant impidamment bonne chair, c'est repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussé par les vents des arbres d'automne sans fruits, des fois morts, déracinés. Awa, baota le sabiso niwende me makamai. En vérité, awa, zo parle ici des prédicateurs, hein, il compare des prédicateurs au niwe. C'est pour dire que les faux prédicateurs, baza comme des niwe, mais bam niwe aux anga mai. Mais les vrais prédicateurs, ce sont des niwe qui ont les eaux. Yaron tolo ba que l'église n'est aux alaboye. En vérité, sur le plan révélation, nous avons qu'un seul prédicateur, c'est Jésus. La raison pour laquelle, quand Jésus marchait sur la terre, comme Niwe, Nakati nae mai zalaki. C'est pour dire que Jésus, quand il marchait, azalaki tout une Niwe, ou etondaki na mai, qui marchait. Y'a un ton d'imaké, Jésus, tant qu'à bander au tambola, mai nyo sur le kati nae, nalaki Niwe, Oyo maye tonda ki na kati na il marche avec les eaux. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui tokozonga si matokolo baboye, les prophètes aussi étaient des niwe, parce que n'oubliez pas, les prophètes aussi étaient des vêtements que Dieu utilisait pour venir visiter son peuple. Ozomona, tango azar weyakata nzoto ezayi, c'est pour dire que nzamba lati nzoto ezayi comme un vêtement pour visiter son peuple. Donc, tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont mis des vêtements aux Nzambalataki pour visiter le peuple. Il y a un autre qui dit que tous les prophètes de l'ancienne alliance étaient aussi des nioués. Au Yonanzera, là-bas, on Nzambé, c'est un gars qui a arrosé le peuple, qui a maï na kati na bango. Maï, en tout cas, comme aussi l'air et prophétie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, à tous les bénins de Jésus, où il y a des vêtements à Nzambé, où il y a maï et la kati na. C'est pour dire que Jésus était tout une nioué. Pendant que Jésus marchait, c'était toute une niwe ambulante qui marchait. C'était toute une niwe où ils allaient tondre sa maki na katia mai mai qui katia na yango oyo et ben les kota mura na katia peuple que le Seigneur bénisse. Mais remarquez aussi longtemps que niwe wana et obo kakite moye peuple azo mai exacte parce que pour peuple to ma belé azo mai et senga que niwe a lâché mvula niwe a lâché mai à la chaîne vous là ne peuple à quoi il va nous soit maï mais ceux qui niouent à la chaîne vous là te peuple à quoi il va nous soit maïté que le Seigneur nous bénisse. On te dit que pendant que Jésus marchait à cela qui niouent mobimba ou à cela qui nakati na maï nakati nae que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi na ekulusu soldat autant qu'on commande ce soldat a été poussé par le Saint Esprit acte batu bako sekayango mais ce soldat a été poussé par le Saint Esprit. C'était l'œuvre du Saint-Esprit à Kamatali Konga, à Touba Jésus, afin que Maï et Bima, que le Seigneur bénisse. Nous disons que l'acte que les soldats ou les Romains ont commis, c'était tout un acte prophétique, c'était l'accomplissement de quelque chose. Que le Seigneur bénisse. Il y a un autre chose qui est, soldat Oyo, en vérité, Azana est innocent, mais avant de quoi accomplir maloba moko lobama que le Seigneur bénisse. Ces soldats, attention sur le plan dans la révélation, ces soldats azo représenté les prophètes de l'ancienne alliance. Oui. Pour ton dire que bateau ba boma Jésus et zalaka ba prophète parce que il était mort selon les prophéties des prophètes, ce sont les prophéties des prophètes qui avaient tué Jésus. Que le Seigneur bénisse. Donc soldat Oyo azo représenter les prophètes de l'ancienne alliance. Likonga naye lance naye
ils ont représenté les prophéties des prophètes. Tu dis que ces soldats représentent les prophètes de l'ancienne alliance. Donc si tu as dit que un prophète, un militaire, je crois que quand tu es parti, tu es parti, tu ramasser pendant les critères et tu es démontré pendant les soldats ou les prophètes. Tu es démontré pendant clair. Mais aujourd'hui, nous disons que ces soldats représentent les prophètes de l'ancienne alliance. Zomona. Li konga na yo azo tuba Jésus pour mayebima et zo représenter les prophéties des prophètes. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, parce que Jésus comme niwe, il fallait qu'il a lâché maï. Enfin que mabele ezo maï. Na lo ba mabele wa c'est tout un peuple. C'est pour dire que depuis l'ancienne alliance, tout ça là qui a kokauka. Tout zanga ki maï. Le péché d'Adam et même ka sécheresse na katia peuple. Mais il fallait que Jésus aille comme nué à la percée de Koulousou afin que le jour de la Pentecôte maille quitta. Mais je me suis trouvé l'eau et le sang. Mais il y a similaire à maille. Que le Seigneur nous bénisse. Je prends l'eau qui sort ici comme le Saint-Esprit. Et on te dit que soldat ou est innocent. Batouba Bouma Yesu et la Kayete. Nazui Mukandaya acte des apôtres. Nazui Mukandaya acte des apôtres. Yoka Makamboyo. Frère Pierre Azoloba. Frère Pierre Azoloba bouen acte des apôtres. A lui boué. Tu vas verset 15. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Donc, par rapport à l'écriture, déjà, c'est pour dire que Joël, comme prophète, ça prophétisa qui? Que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. On a Joël, oiseau prophétisé. C'est pour dire que tant oiseau sakola, nous avons dit que ako repanda ka moli monaye ndango tozomona soldat azwa lance azo tuba Jésus enfin que maebima ya ntobi ke soldat oyo azo représenter les prophètes lance azo tuba pour maebima oyo ce sont les prophéties. C'est pour dire que ce sont les prophètes qui avaient tué Jésus, ce sont les prophéties qui avaient percé Jésus parce que il devait mourir afin que l'eau qui est le Saint-Esprit ebima pour soutenir bana kozoya ngo que le Seigneur bénisse. Donc Makamu sumoni ba soda ba zosala a en vérité les agindé accomplissement ya maloba ya basakoli. Voilà pourquoi peuple de Dieu, nous devons faire beaucoup trop d'attention na maloba to bimisaka. Surtout ce que ça musel na nzambe, tu dois avoir beaucoup de retenue na maloba nayo parce que maloba nayo ekoki ko bibisa tout comme ekoki ko bongisa. Nous disons même aux parents dans mwata mwana ko sala mabe. Mais il faut yba contrôler langage nayo. Il faut en maîtrise comme ça n'importe quoi te sur moi na posa moboti maloba nayo ko détruire maloba nayo et ko kipe ko bongisa. Voilà pourquoi il faut que ça na ba réserve na ba retenir na maloba autobimisaka parce que basodo makamba osala en vérité c'était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient dit. Ce qui était l'accomplissement de oba sakoli baloba. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, batu ebele bazo ko la ber lelo a osala likambo mais en vérité za yete za maloba moko loba mande zo lata nzoto nezo tindi ke ne sala makambo to sala wana. Que le Seigneur bénisse. Ya to bi ke ces soldats azo représenter les prophètes de l'ancienne alliance bisakolina bango nde mutebo maka Jésus nde persaka Jésus enfin que le jour de la Pentecôte mvula et banakotali sa. Et l'eau qu'on a le canekoulou, c'est là qui ombre.
Et le coup de la coulisse, ombre, il y a les cambo qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc, il y a eu ce coulisse, il y a déjà bisacoline de Père Saki Jésus, tant que vous fandez, tomoni moukolo ya Pentecôte, ndembou les obéta. Ici, le Seigneur a dit qu'il y a pour répandre moli monae, sur ma serviteur nae, na ma servante nae. Alors, il y a eu ce qu'il y a, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ayako Kita a dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Or, na dispensation ou te koleka, isala ki bongote. C'est pour dire que na dispensation ou te koleka, Dieu utilisait que les prophètes. Y'a un moment que l'esprit du Seigneur sur moi. Dieu agitait que les prophètes. Pendant que Dieu agitait les prophètes, exemple, que, tant nzamba simbi Moïse, aza ko agite Moïse. Vous remarquez, quand Dieu agite Moïse, vous remarquez, batu moussouba kotika la vide. Bah, ça la moussalate, quand moli mon nzambe, ale ko la Moïse. Quand Dieu agite Élie, bato musu bakotika la vie dindengwana muli mwana nzambe kusala tekati na bango muli mwana nzambe kutravaye kana kata nani kana na kati ya Eli na kati Elisee ainsi de suite kandengwana mais Dieu avait promis que na tangwa suke kuzala su bongote c'est pour dire que muli mwana nzambe kuzala kana kati ya mtu moko tako repandre liko la batu nyoso. Voilà pourquoi Jésus comme Niwe devait être percé à la croix tangwa zala ki percé ne kulusu maizo bima maiwana eza lembo ya mulimo waya ki mukolo ya Pentecôte. Afin que lelo toye banakozwa mulimo santo, afin que lelo bokauki kati na biso eyeba nakozala lisusu te. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Ok. Mais na aspect mususu pe tokoloba ke niwe ezalaka pe makomi. Na aspect mususu tokoloba ke niwe ezalaka pe makomi. Pourquoi tokoloba ke ezalaka pe makomi? Parce que on remarque que na kati ya niwe zomona nakata niwe tozalaka nini nakata niwe tozalaka na mai nakata niwe tozalaka na mai s'il vous plaît oui nakata niwe tozalaka na mai maintenant il faut percer la niwe afin que mai ebima pour peuple ba nakomela ngeto lobike tozwa pe niwe comme les écritures pour ba makomi ndenge zalaka zalaka pe niwe oye bomba mai nakati nango c'est pour dire que bomba moli mo santo et bomba vie nakati na yango. Ici maintenant, sont toujours nuées comme les Écritures. Ma et bomba mina kati comme le Saint-Esprit, la vie. Awa tokozo mbaramoko soldat oyo comme les ministres de l'Évangile. Lance oyazana yango comme les grâces ministérielles. Nzamba puisse pas ministre. Afin de percer la nuée. Oza makomi. Afin que peuple aye banakozo mulimo santu. Peuple aye banakozo vie. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi remarquez Pierre lokola mulimo santu. Na grâce ministérielle za la ki na yango ndazo percer ma komi ozomona Joël za li komi David za li komi nde na suka oyo sabango ke ba tu to sene foto to bika ba lobi na yango ke bozo baptême c'est là que vous recevez les dons du Saint-Esprit que la Seigneur bénisse yango remarquer frère Paul azoba boye c'est par l'enseignement de la loi ou l'enseignement de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit c'est pour dire que Paul comme ministre lance naïe comme la grâce ministérielle, tant qu'on a dit qu'on expliquait ma commis, la loi, le prophète et les psaumes, les peuples, azoye, banakozoa, moli, mosantu. Nous disons que les niwe, hein, les écritures, ils ont rappelé niwe, mobimba. Soda, azaye, type à ministre, lance, voilà, c'est la grâce ministérielle. Ça, c'est la grâce d'interpréter. C'est pour dire que la grâce ministérielle, y'a un tozo, le baboye, et c'est qu'au ministre, azate, vie, azate. Et ce qu'on ministre azate, vie azate. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu pour batobelo ba s'autoproclamer, mususu batie bango, mususu courage na bango. Mais ce qu'on lui lance, azana ngote. Lance à nous comme le ministère au Nzamba pesaka ba mutu, la grâce que Dieu donne à l'homme, en fait de percer la nuée aux eza makomi pour donner la vie, pour donner la vie au peuple. Le Saint-Esprit ne va pas peuple. Que le Seigneur bénisse. Il y a un mot qui remarque, boy. Jacob, avant Aya et pas à Laban, Banyamanyon, ce bazala qui est pas à Laban, sans distinction. Tous les animaux, qui est pas à Laban, sans distinction. Mais tant que Jacob a quoi, pour mettre la distinction entre ces animaux et les animaux de Laban, il faut avoir trois étés avant de l'ongolongo baposo. Tant que l'ongolongo baposo, n'est pas Banyamanyon, parce que quand tu as chaleur, tu as tâche. Que le Seigneur bénisse.
là-bas où ils ont camba banyamanyos avant de bouiller à Jacob, attendez, ça s'appelle les diables. Banyamanyos, on monte dans un campage là-bas, attendez, ça s'appelle l'humanité tout entière. Oyo bisonyos au camba marqué pas Satan avant l'arrivée du divin Jacob. Parce que n'oubliez pas, Jacob, c'est le Genèse 37, c'est le soleil. Or, le soleil, c'est le Luc 1,78, c'est le Seigneur Jésus. Matthieu 17, c'est pour dire que le soleil, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour dire qu'avant l'arrivée de Jacob, qui est le soleil, Banyamanyo Sotokamba, qui n'est pas Jacob, confondi. Naba Nanzambe, Naba fait sa perdition. Bisonyo Soleil confondi, Nasabo Kamamia Satana. Mais il fallait qu'il est véritable Jacob, le véritable soleil, Jésus aya. N'étant où ya. Que le Seigneur bénisse, nous avons beaucoup de Seigneur qui nous a dit. Tout le monde a Jacob, a trois étés, il a eu un poste. Tant qu'il a eu un poste, tout le monde a eu un marque, un lembo, un signe. Il a eu un là-bas, un là-bas. Les trois arbres là représentent la loi, le prophète et le psaume. Quand il appelle en haut les lots, c'est ça, interpréter les écritures. C'est ce que le ministère de la parole fait. Parce que les divins Jacob, Jésus, na kaita ba ministre azawa na fe na ko epele donc ko longola poso c'est ça interpréter tanzo ko interpréter ndé peuple azo moli mo santo ndazo li té ya solo wezo kesanisa ye na banyama ya nani banyama ya laba que la sereine bénisse ndé soko zui marque o ko quitter maison à laba oza le monde o oza la lever mais soko zui marque té ou quitter la maison de la bâte qui ne sera pas à lever. Que le Seigneur bénisse. Donc, tu le dis que Nasabi Balé, tu quittes pour Narota le Sakir. La nuée, c'est aussi les écritures. A toujours les soldats, comme les ministres de l'évangile, lancent aux soldats, c'est ça la grâce ministérielle, qu'on percer, hein, c'est ça interpréter, afin que Maïbima, c'est ça le Saint-Esprit, afin que le peuple ait une vie. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui est quitté le sous sur le plan doctrinal, tu as dit que ce qui est nioué, c'est ce qui est maïsali. Au monde, Mokili, soit la terre, a besoin d'eau. Mais maintenant, pour avoir l'eau, il faut qu'on ait une lance. Lance n'est qu'à permettre à trouver nioué. En fait, que Maï et Banako Kita, pour Moutou, aïe Banako bénéficier, Maï, que la Seigneur bénisse. N'est-ce pas que ça n'y est pas, ou ils ont bombé, fait Maï, c'est pour dire que, à tous, on a lance OEP, comme les capacités surnaturelles que Dieu donne à ses enfants, comme les dons spirituels. C'est par les dons spirituels, n'est-ce pas que ça n'a pas de Yako Percé, ou ils ont Makambo Moussousou. En fait, que Bola Moué Batamina Kachikuna, peuple de Dieu, les dons du Saint-Esprit sont très utiles dans cette église. Oui, les dons du Saint-Esprit sont très utiles dans cette église. Aujourd'hui, nioué awa ezo bomba mai na kati. Peuple ça na posa mai, mais il faut en lance en fait de percer la nioué pour que mai est tombé pour tomber. La lance, te expliquer comme les dons spirituels. La lance, te expliquer comme la vie de prière. La lance, t'expliquer comme la vie des sacrifices, qu'on permet de tout percer, bitumba, tout percer. Enfin, tu es banako zwa mai pour nakomela. Peuple de Dieu, on a vu mai awa comme la solution, comme libala, voyage, autre chose, on a besoin, tout wana, et qu'on a la peut bloquer quelque part, et c'est une vie de prière pour nakoe banako percer. Le roi de l'Ola qui prière mbaleleki, mais toujours si mbalelo lance wana comme les capacités surnaturelles. C'est pour dire que les dons du Saint-Esprit permettent à la Bible de percer le comme source. Enfin, tu vas recevoir ou à malamu et battre à la Bible. Sans les dons du Saint-Esprit, tu vas rater ma cambebele. C'est par le Saint-Esprit que tu vas bénéficier de ma cambebele. Que le Seigneur bénisse. Les gens qui ont été bénis, les fiançailles sont bénis, les relations sont bénis, et bien ils ont été bénis pour manquer tant que tu écoutes, tu as été bénis, tout en manque de discernement. Okomona mwasi aloti mobali nazo landae na machete. Mobali aloti tomso mwasi landae na machete. To loti mninga nao alati lamba ya rouge. Tango lomiki na tomba la mokolo biki yuwa zana kindoki. Ana misala mabe. Sans discerner. Or, il faut demander au Saint-Esprit qui connaît toutes les choses. Enfin que, aye bana kusunga biso, vous voyez? Aye bana kusunga biso,
C'est pour dire qu'il faut prier afin que le Saint-Esprit nous donne le discernement. Après cette explication, je vais vous dire que partout, aux explications, on a eu une expérience. Nous avons un système. Les gens ont eu une explication, ils ont eu une songe. Voilà pourquoi nous devons prier afin que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur nous bénisse. On te dit que l'ansoana. Ils ont parlé sur les dons du Saint-Esprit. Ils ont parlé sur les capacités surnaturelles. Où moi, nous avons besoin de nous. Afin de percer les situations difficiles pour recevoir l'eau où ils ont caché dans la carte. Mon frère, ma sœur, les combats spirituels existaient. Papa, tu as dit que tu as mal à oui, tu as dit bien. Mais attention, ça peut arriver que lorsque nous ouvrons les portes, et ça la quai, tout se retrouve à des fois na katabalien, na katabachène. Mon frère, ma sœur, mon temps sauté. Tout monna makabé na katamaka manza, mon na moi nanza mon sang to sambela kamé na balien, na bachène. Voilà pourquoi on devait prier. Moi, je connais même un homme de Dieu à interpréter ma commune en dengali ce qui t'a interprété na grâce ma casa ko interpréter ma commune. Mais lui ne croyait pas que les maris de nuit existaient. Ah non, dit Maté. Pour les maris de nuit, ils ont Moïse. On a évité ce qu'ils ont écrit. Oh, maris de nuit, ils ont Moïse. Maris de nuit, ils ont raté. Maris de nuit, ils ont Moïse. Bon, on a évité ce qu'ils ont écrit. Il y a eu la maris de nuit, Moïse. Bon, c'est un aîné, c'est un père. Mais, il y a qui croyait que maris de nuit, ils ont raté. Nanzela, à moi, Sinaï. Pendant qu'il dormait avec sa femme, ce qu'il voyait, nous avons dit que nous avons la délivrance, nous avons confirmé que Marie de nuit à Zalaka, nous avons pas la confession, avec que Marie de nuit à Zalaka. Mais le bosso a dit que Marie de nuit à Zalaka. Nous avons confirmé la Bible que moi, nous avons né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons na que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que moi avons dit que Koza na balien, na bachène. Je donne l'exemple de Samson. Samson, akina mulimu santu. Pendant que Samson avait le Saint-Esprit, lorsque les Philistins venaient, banda kokaete. Ozo mona. Mais, tant que vous avez dévoilé le secret na ye, bakate souki a moutou, l'éternel a se retiré na ye. Tant que l'éternel a se retiré na ye, bakangi Samson. Batoboule misu, bakangi balien. Pourquoi? Parce qu'il avait attristé Dieu. Nzamba se retira qui naye. Lelo, Nzamba koko se retire na moi na Nzambe te jamais. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour l'éternité. Albi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut pas à quitter, à longwa kate. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit à Kolongwa ka lisoka tina bisote. Mulimu santu tozwa azala ko la kura ya Kongo te a délestage te depuis tozwa lui je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde à Longwa te. Mais ça peut arriver na kata marche na tout temps tozwa banga nzambe te. To tambula selo lité ya te le Saint-Esprit peut être attristé. Azawana mais aza attristé. Cela donnera l'accès. Et pas diable à si maman en Zambé. Parce qu'il est là, il a tristé. Cela donnera accès. Et pas à Munguna. À quoi ça s'agit à si maman en Zambé. Mouna Samso, Mouyouda, Nabalien, Nabachène. Pourquoi? Parce que Nzamba Sragnini, Atika qui est. Mes frères et sœurs, je me répète pour dire que les combats spirituels existent. Moutako Sayote. Les combats spirituels existent.
Po ba te bele ba te abiso bloko na mbo ili te na bango te meto so complete ka to bi ke le combat spirituel existe. Voilà pourquoi nous devons prier pour tout te le makasi na kata lo sambo. Voilà pourquoi to na posa lance. Lance wana na bisi comme les grâces, les dons spirituels. Oye ko permettre na biso to ba na ko vaincre pe bitumba. Oye ko permettre na biso to ba na ko percer aussi les situations difficiles afin que mai ou esa solution ou esa posa tozana yango ebana kobima afin que tozala pe étanché na kata ba soif ou tozana yango que le Seigneur bénisse. Nous avons vraiment besoin de la prière ton apôtre le sambo afin que le Seigneur puisse nous aider atana kitina doctrine na zo niwe ou esa na mai we bombi solution. C'est pour dire que nous devons photo percer niwe na nzela lance. Nzela bizala babitumba okobomba tamso solution mais osenga prière une orientation penza na kata makama nzambe afin que Dieu puisse nous orienter afin que toyebana kosimba solution na pointo zana yango que le Seigneur nous bénisse. Nzamba lobaki je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit azoya ayaki na ba capacité surnaturelle na kati ya moko te mususu na biso mais problème ezaya kokota na kati ya losambo afin que ba capacité surnaturelle nzamba chakati na biso ebana kosaniza la réanimer na kati ya losambo. Vous voyez quand le Saint-Esprit est venu ayaki na makabo na kati na biso que le Seigneur bénisse. Ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit avec le parler à langue. Ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit avec la manifestation du Saint-Esprit. Nous disons que tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne sera pas perdu. Mais attention, pour le Kalatoyeba, que Tom Toto parle à langue, Azo prophétisé, Azo baptisé du Saint-Esprit, Kalatoyeba Rabongo. Mais vous remarquez qu'un sorcier a prophétisé. Attention, le baptême du Saint-Esprit, Eza pour koti sa moutou na katia corps. Nous avons un baptême du Saint-Esprit, na manifestation du Saint-Esprit. Nous disons que tous les élus de Dieu sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, au côté de la corté. Le baptême du Saint-Esprit, Eza pour koti sa moutou na katia corps. Ou comme participer à corps. Mais la manifestation du Saint-Esprit, baptisé de l'esprit, mais manifestation. Alors, il doit beaucoup prier contre la prière, ma casse, na ba gêne, qu'il cherche les serviteurs, il va imposer le boko. En fait, que molimo yasa yamba, abanda ko se manifester. Mais au moment où un sorcier, tamusu molimo sa se manifester, azo parler la langue, azo prophétiser, ne tomi ko saka kalake, tamu tamona zo sakola, avec azo baptisé Saint-Esprit. Non, punda ya bala masakola kat. Punda bala m'avait prophétisé, c'est ce que j'ai dit, agi baptisé, nzamba simba qui peut utiliser. C'est pour dire que Dieu peut utiliser sorcier à sa colie, nzamba ko fungola sorcier misu à moni, seulement pour sauver son peuple. Mais aubikate parce que punda bala nzamba sakola ki pona bola mo Israël ponzela wana bala ndoke nzamba sepela ki na wote c'était pour les pona bola pour les biens d'Israël ndi nzamba fungola ki ani wana miso amona mais attention atikala ko matane tumbelo te batumbaye parce que c'était l'animal impur korbo ayaka lesaka eli mais c'était un animal impur. C'est pour dire que Dieu peut permettre korbo attention biloko azo pesa wana zon biloko liati mais biloko wana nzamba ko permettre peke mwana na esa pe na basusu difficile nzamba ko permettre pe na mupagano ayepe apesi mwana nzambe conseil. Dieu peut permettre pe na mupagano amoni pe aloti pe na chimu suni wana lokola pe message ndoto vision o mupagano ko mona ayepe pe mwana nzambe. Attention, atika li korbo akoma musantute akota lola te hilira en enfer. Ne confondons pas ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Tu dis que quand le Saint-Esprit est venu, après ça, il y a capacité. Maintenant, c'est à nous d'entrer dans de fortes prières, de chercher Dieu. Soit de chercher les serviteurs, mais bon, de là, en fait, que la capacité est là, et talisama. Que le Seigneur nous bénisse. Mais tant que nous avons la capacité, nous avons talisama, tu cherches ton pasteur, ou exposer quand ça n'a pas pasteur, le pasteur peut prier pour toi. Alors qu'il y a une orientation qui peut permettre de sortir de ma camion. Parce qu'il y a d'autres choses pour nous qui ont une orientation en Zambie.
Ils ont bongo, ils ont ma cambo, supposons que ça sorti. La connaissance, ils ont ma bête, connaissance, c'est bien. Avoir la connaissance, ils ont ma bête, c'est bien. Mais il y a d'autres choses pour nous, ça demande une orientation. Que Dieu puisse t'orienter, que Dieu puisse te parler, particulièrement pour les locaux. Alors, ceux qui ont la capacité, on a été, ou qui pasteur, n'a eu. Ceux qui ont supposé mon niveau de capacité, il y a des frères, tant sous des sœurs, ou tant sous une acolyte intimité dans le Saint-Esprit. Ou ma capacité, on se colique, tu cherches ton frère, tu cherches ta sœur, bon solo lit, j'ai un problème tel, prie Dieu, afin que Dieu puisse m'orienter, n'a pas de problème, on a un yango, pour ne pas s'en sortir. Nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de la complémentarité, que le Seigneur nous bénisse. Il y en a quand même un manzambe, tout en absolutorité. Il y a un frère Paul Alobi, toi qui te glorifies, qu'est-ce que tu n'es pas réussi? A tout te inengenin, kolobate ki biloko na ote ya babor nanga, eza ayote, solo babor nanga tiena vantirie, ya biloko molimu santu. Atan zamba itilizo na nguya nengenin, kolobate ki nguya nanga, eza ya molimu santu. A to sakoli nengenin, opesi ba vision, pakol de connaissance, ko beta to lote, nzamba na makokia, kotombo la mutumusu lobi, a travaye plus ke yo. Musanda na to beta ka to lote, nous travaillons dans la complémentarité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je crois que ramasser l'élément, moko, que a pambola biso, belemango eza sou penza et belete. Que le Seigneur nous bénisse, eza sou belete, c'est quelqu'un quelques éléments, moto ramasser en haut, to siliciango, je crois prochainement, si le Seigneur nous fera grâce, na souveraineté na et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il y a des questions posées, bah, numéro na pse zali, plus 243, 89, 860, 88 75. Numéro Monsieur Zali, plus 243 99 88 77 333. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.